Et salut à tous, c'est Pipou, on se retrouve sur la chaîne pour le quatrième épisode Silent Hill. Donc on est au niveau de la résidence Blue Creek. Voilà, ben du coup on avait rencontré notre premier Pyramid Head et tout ça. On a le truc avec Scott, comment ils s'appellent les autres déjà? Scott, Joe, non, Henry et Mildred, ouais, c'est ça. Donc là c'est l'énigme de l'horloge. Ouais. Voilà. Doucement quand tu ouvres une porte, mon salaud. Qu'est-ce que c'est ça? Et je suis obligé d'être dans le noir à ce moment-là, là. Ok. Next. Une seringue, pas mal. Quand c'est des balles, ouais, qu'il me faudrait, parce que des balles, j'ai l'impression plus. Je peux aller voir tout ce qui est 210 et tout là. Bon, j'aurais été deck si j'avais oublié ça. Hein. Donc là-bas c'est fermé, là-bas c'est fermé, là on est pas mal. Allez, du coup il faut aller par là. Eh merde! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On est où là? Au deuxième? Au deuxième étage. On sait jamais s'il se réveille. Hé, qu'est-ce qu'il arrive?
des balles là. Qu'est-ce que c'est cette zone? C'est normal qu'il y ait ce cadavre là? Ça, ça se pète. Oh, balle de pistolet plus 5, c'est bien ça? Bah, les bruits, toi, les musiques. Wow, le couloir de la mort, fils. Oh, le couloir de l'angoisse. J'arrive où là? Il y a un truc de l'autre côté, mais je peux pas y accéder. Ouais, là, garde le flingue parce que je sais pas pourquoi je sens pas des masses. Donc là, ça c'est la porte numéro combien? 306? Alors, 306 fermé. Là-bas, je peux aller par là. Donc ça c'est juste pour... Et le raccourci. Ouais, c'est juste pour créer le raccourci. Je peux atteindre la 307 ici. 307, on peut y aller. Allez, nouvelle boisson. Parce qu'il leur arrive, mais ils sont généreux là. Tiens, au début, des fois, tu galérais juste à avoir une boisson. Oh, une seringue, je t'en parle même pas, mais. D'accord, donc là, il faut une valve. Oh merde! Putain, je suis enfermé! Ah, il y a une valve là! 306, parfait!
bientôt. Attends, on était où là? Ben, là, j'en viens. Donc là, c'est là où il y avait le truc là. Donc là, on a tourné ça. Là-bas, derrière, encore des balles. Alors attends. Donc là on a dit 306. Ah ta race. Allez, 306, là il va y avoir un mec là. T'aimes pas? Oh non, non! Mais non! C'est bon la radio là? Oui, on sait, coup de la balle. C'est bon là? Ils sont morts là? Allez, à nouveau des balles. Merde. On arrive où là?
truc derrière moi là. C'est quoi le truc derrière moi? Ah, d'accord. Ok. Du coup, c'est bon, c'est validé, c'est validé. Merci. Allez, tout dans le fiac. Je me perds dans ce niveau. Ah, l'aiguille des heures. Ok. Heures et minutes sur la porte. C'est rigolo quand même ces trucs rouges sur lesquels tu sauvegardes. Pas ouais, juste des carrés comme ça rouges.
Ah, tu as travaillé sur la porte des haches, non? Ouais, ça, voilà. H-E-R. Alors déjà plus sympa comme endroit ici. L'oiseau et le paon. Une fable, ça? C'est quoi? Pas d'objet. Alors, je peux pas y aller. Mais la tête dedans, tant qu'on y est, non? Ah, l'aiguille des minutes. Bah, le bruit que ça fait quand tu trouves une aiguille là, c'est ignoble comme bruit. Voilà. C'est pas ça. La figure de pigeon. A changé d'ambiance d'un coup la pièce. Hein, ah, je peux plus revenir en arrière. Oula. Il y a 209 et 211. Je peux aller là-bas, t'es. 209, 211. Et bon, je suis bas là. Ah putain, merde, 209, on peut y aller. Ce mec, il découpe des pièces, il... Quoi? Non, pas les trucs comme ça, là. Pas les voix dégueulasses. Hein. Non. J'ai pas signé pour ça. Ah, ça va. Mais finis là. Ah, tu vas mourir. Alors, 209 là-bas au bout, c'est check. Allez, sort de là. Il y a quoi là par là? Je vais aller voir. Parfait, des balles. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Là je peux aller en bas là.
On peut passer par là? Bah ouais, je me dis, on peut passer par là, non? Les fioles de soins, c'est en option. Mannequin, ça. Putain, c'était pas un mannequin, con. Oh, pourriture. Ah, c'est l'autre partie de... Ouais, il fallait y aller, quoi. Ouais, go. Bon, ça. Alors, 211, c'est fait. Pour retourner là-bas. Pour retourner dans 210. Ah merde, attends, non. Il faut faire ça. Il faut faire... Combiner, ouais, avec ça. Voilà. Ah d'accord. Franchement, c'était pas plus rapide de choper le bordel et de péter le truc? Non, je sais pas, tu l'éclates contre un mur, ce que tu veux, tu récupères la clé, quoi. Il doit s'emmerder à... La clé, il est... Oh, oh l'angoisse. Oh l'angoisse. Oh non, mais là c'est une angoisse, là. A-t-on réellement le choix? T'en arrives où là? Oh putain, chez les étages en dessous! J'ai une soin, j'ai cette balle. Entre les deux, mon cœur balance, droite ou gauche? On essaie le 109 par là-bas. De toute façon, là, il va falloir que je cherche les l'aiguille des secondes, quoi, après, dans tous les cas. 10. Les pièces avec des neufs, on peut souvent y aller, j'ai l'impression. Il doit bien les aimer, les neufs. Et c'est ça. Ah, balle de pistolet. Je me disais, c'est bizarre, mais ouais. Vu d'en haut, je croyais que c'était des balles d'autre chose. Tu vois, je me suis dit, oh, bientôt on va trouver une nouvelle arme. C'est pas mal au bout d'un moment que je commence à trouver autre chose. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ah! La meuf du cimetière! Oh. It's you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point?
it's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. C'est bizarre, là. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. Et tu la laisses sans armes comme ça? If I kept it, I'm not sure what I might do. Sorry! I've been bad! Please don't! Ah, il y a une clé à côté, ça. Quoi, clé de la résilience? Comment ça, clé de la résilience? Sacré miroir, hein? Alors, là, je pouvais pas aller. Là, on est bon.
C'est quoi, c'est pyramidal ça? Il m'a donné une pièce. Je vais la rater. Bon, 111 à dégager. D'accord, ok. Tout simplement, quoi. Ah! Seconde. Vers la flamme. Ah, nouvelle seringue, cool. Ouais, mais j'ai vu qu'il y avait un mec à Gibol qui marchait. J'ai vu que j'étais un mec à Gibol. Je supporte pas. Ils sont rapides. Donc là, je reviens ici. M sur la porte. D'accord. Attends, merde, non, je me gourre. Je reviens en arrière, là-bas. Je vous aurais quasiment tous fait con. Qu'est-ce que c'est, ce papillon là? La maison des papillons. Ah, la pièce de 120.
lune rond. J'ai rien compris. Je compte quoi, le nombre de lunes ? C'est ça ? Et le nombre de têtes ? Wouah, si c'est ça, c'est archiant. Donc là, il y a deux lunes, une tête de mort. Deux lunes, une tête de mort. Donc là, il y a deux lunes. Ici, il y a deux lunes, ça fait quatre lunes. Là, il n'y en a pas. Quatre, huit lunes. Et deux têtes de mort, 8 lunes, 2 têtes de mort. 8 lunes, 2 têtes de mort. Attends, est-ce que vous m'avez déjà là-dedans? 2 lunes, 8 têtes de mort. Et les ronds, il y en a combien? Les ronds, il y en a un là. 2, 3. 4, 5. Alors, lune. 8 lunes, moins 5, ça fait 3. Tête de mort, 2, plus 5, ça fait 7. Et nombre de trucs, donc on a dit 5, moins 2, ça fait 3. 373. Ouais, tu comptes le nombre de lunes, le nombre de têtes de mort et le nombre de ronds là, ouais. Allez, James, est-ce que réellement tu as le choix? Ne t'inquiète pas. Et pour avoir l'aiguille des secondes, allez! Ben voilà, c'est l'aiguille des secondes. Oh putain de Alors, ok. Ah putain merde, je peux plus revenir là. Je peux plus ressortir là. Oh la loose. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est pas très très grave en soi. Ah, oh, ça m'a ouvert ça. On va s'arrêter là du coup, donc pour cet épisode. On découvrira la suite de l'aventure la prochaine fois. On a fini enfin ben, la quête là, des aiguilles.
Bon, après, bon, j'ai essayé un peu tout et n'importe quoi. Finalement, ça a fonctionné, notamment pour placer bien les aiguilles. Parce qu'à un moment, il y a toujours des trucs qui font que ça interagisse. Que ça interagit, et ben, du coup, automatiquement, ben, ça te permet de savoir que c'est bon ou pas bon. Donc, ça encore, ça va. Voilà, mais bon, là, je pense que j'ai un peu l'impression qu'il faut peut-être atteindre la zone 208. J'ai un peu l'impression, ouais, de descendre, de passer par la 204. 4 peut-être, et ensuite, genre de la 204, tu arriveras peut-être par la 206, et la 206, après, tu arriveras peut-être à la 208, et la 208, après, j'ai l'impression que tu pourras ressortir à l'extérieur et arriver dans peut-être une autre partie de la ville ou un truc comme ça. Voilà, ben voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, et sur ce, ciao ciao.